Ricciardo est favori pour remplacer Pérez chez Red Bull après ou pendant 2024 si besoin. Alors, honnêtement, est-ce qu'il ferait mieux que Pérez, Ricciardo? Je sais pas. Honnêtement, c'est pas sûr, hein. Alors, en qualif, peut-être oui, quand même. Par contre, en course, bon. Il ferait peut-être moins d'erreurs, certes. Il percuterait pas les autres pilotes, déjà. Mais bon, il faudrait voir. Donc, il a pu conduire que deux Grands Prix jusqu'à présent, il s'est cassé, mais Carapaz en 28 un accident. Ainsi, malgré le fait que Ricciardo n'ait pas beaucoup pu conduire en 2023, il serait le favori pour remplacer Pérez après 2024. Ou même déjà, en cours de saison, si besoin. Si Pérez est de plus en plus pourri et nul, et que la Red Bull ne domine plus comme elle dominait en 2023. Selon Barreto, plusieurs sources suggéraient, écrit analyse de la F1 sur Formula1.com, le Britannique indique que Liam Lawson deviendrait très probablement le remplaçant de l'Australien au sein de l'écurie AlphaTauri. Oui, bah, ce serait logique, hein, du coup. Après, effectivement, projeter Lawson dès chez Red Bull avec Verstappen direct, non, c'est pas une bonne idée. Ça pourrait lui griller sa carrière, quoi. Donc, vaut mieux peut-être mettre un mec en fin de carrière comme Ricciardo. Bon, qui a de l'expérience. Maintenant, à voir. Pérez, en tout cas, il a un contrat jusqu'à la fin 2024. On verra s'il reste en place toute cette saison. Ciao!